double vitrage, isolation phonique. Il est impossible que la voisine ait pu entendre Paul Acteur hurler pendant sa chute derrière cette porte close. Elle n'a pu entendre que ce qui se passait dans l'appartement peu avant qu'on jette Roger du balcon. Et puis le tueur a refermé la porte avant de s'enfuir. Oui, oui. Oh oui, tu la sens, ma grosse intelligence. Tiens, tiens, tiens. Et voilà, j'ai exorcisé les démons. Tout danger est écarté. Bande de nazes. Ciao, ragazza. Me revoilà. Je suis venu te dire que tu me plais. Que je vais te chanter una canzone d'amour. Oh, sole mio. Catarina, Catarina, chic, chic. Ah, ah, ah. Un petit baiser, chérie. Je vous ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de Pise. Et puis je planterai ma grosse fourchette dans vos raviolis. Elle est si douce. J'adore cette fille. Je suis Sancho de Cuba. J'ai le Sancho pour la rumba. En joie des maracas, je fais tchik 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 et boum tchik tchik et boum. C'est moi Sancho le plus belle, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tchik tchik et boum, tchik tchik et boum. Les señoritas, elles chantent, elles dansent comme ça, elles balancent. Et comme à chaque fois, la vérité va vous libérer. Ma cliente a menti à propos de son âge, elle n'avait que 17 ans quand elle s'est mariée, ce qui fait d'elle à l'époque une mineure. Et dans le bel état de Californie, aucun mineur n'a le droit de signer un contrat juridique sans permission parentale, et cela inclut... Les contrats de mariage, naturellement. Les contrats de mariage, naturellement. Donc ce contrat ne vaut rien. Le fait que la moitié de la ville soit passée sur le ventre de ma cliente n'a rien à voir. C'est le droit commun de la propriété qui s'applique. Elle a droit à la moitié des biens du ménage, soit 11 395 000 $. Jordan prend la balle dans le cercle et la partie est terminée. Ça sera tout. Je vous remercie, monsieur le président. Je peux tout vous expliquer. Moi, je m'appelle Wayne Campbell. Et j'habite à Aurora, Illinois, qui est dans la banlieue de Chicago. Excellent! Les petits boulots, je connais ça bien. Mais rien de ce qu'on appelle un métier. En gros, pour résumer, j'aurais très facilement pu être l'employé du mois 144 fois. Tu filmes après l'amour, toi? J'en sais rien, baby, j'ai jamais regardé. Dites-vous... Zipla, déverrouillez la porte du temps. Permettez-moi de vous présenter mon espion au ministère de la Défense. J'ai nommé Gradouble. Pharaon, plus pressé. Où sont les toilettes? Faut que j'y aille, j'ai un dos pour guichet. Et je me sentais bien cet après-midi, ça allait super bien, j'étais moi tout à l'heure. Et maintenant, je suis avec toi, et je ne sais plus ce qui s'est passé, même entre le Texas Burger et les tabalettes de ta tante. Je m'inquiétais, je craignais d'avoir déjà rencontré la femme de mes rêves au pressing ou dans ce genre d'endroit, et de ne pas m'en être rendu compte. Mais voilà que tu te pointes, et je prends conscience que ce n'est pas vrai. Parce que c'est toi. Tu es tout ce que je n'ai jamais su, que je voulais depuis toujours... Que se passerait-il si vous saviez précisément ce qui doit arriver le lendemain? Je voulais que quelqu'un m'écoute, rien d'autre. Et vous avez tout fait capoter. Pourquoi? Écoutez, Franck, je n'ai pas le temps de vous fournir des explications. Répondez à la question. Parce que ce n'est pas la bonne solution. Parce que des gens allaient mourir. Ne quittez pas, je vais le chercher. Dans quel sens? Dans un sens beaucoup plus crédible. Non. Et je souhaite ne plus avoir à revenir. À la prochaine. Non, il n'y aura pas de prochaine fois. Ça, vous pouvez me croire. Spoutnik, Spoutnik 2, Vostok, Gagarine. Les soviétiques nous ont battus lors de toutes les premières spatiales les plus marquantes. Notre programme ne faisait pas le poids. Alors cette fois, on a choisi de s'atteler à une tâche si difficile qui exige un tel niveau d'avancée technologique que les Russes vont être obligés de repartir de zéro. Et nous aussi. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Kuna Matata.
Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes? Impossible, elle serait trop blessée. Elle a tort, je ne peux pas. Ça ne prouverait rien, ça ne changerait rien. On ne change pas le passé. Tu disais que tu veillerais sur moi. Mais tu n'es pas là. À cause de moi. C'est ma faute. C'est ma faute. Baliverne ! Ne soyez pas fâché, mon oncle. Comment ne le serais-je pas, alors que je vis dans ce monde de fous qui est le nôtre ? Joyeux Noël. Qu'est-ce que Noël pour vous, sinon l'époque d'un surplus de factures à payer ? Un jour où vous vous trouvez plus âgé d'une année sans en être pour autant enrichi ? Si j'en avais le pouvoir, et si ça ne tenait qu'à moi, tous les imbéciles qui n'ont que les mots de Joyeux Noël à la bouche seraient mis à bouillir avec leur pudding. Et on leur planterait une branche de houx dans le cœur. Oh, j'adore ce passage! Courir et grimper, tournoyer, grimacer, patauger, plonger, remuer, glisser, essayer de subtiliser, ce sont toutes les choses que je fais avant le déjeuner. Tous les défier! Narguer le danger! Je peux voler! Tu crois que je suis fou, mais hey, on vit une fois! Ne me dis pas merci, mais si tu insistes, je serai l'artiste qui sent la pique! Hein? Accrochez-vous à vos miches! J'entre!